n'est-ce pas? On poursuit tout droit et on arrive à la grotte. Oh là là, comment ça si tu te trompes pas? On va se perdre? Mais non, c'est juste une éventualité. Bon, t'es pas un petit peu excessive là quand même, parce qu'en soi, elle t'a rien fait cette fille. Comment ça, elle m'a rien fait? Elle m'a piqué mon mec, hein. Mais à quelle heure elle a piqué ton mec? Vous étiez séparés quand ils se sont mis ensemble? Mais t'étais de mon côté ou t'es du sien? Bah alors, si j'étais pas de ton côté, déjà je serais pas là à péter au schnock à vouloir faire de la sorcellerie, donc je suis de ton côté, ok? Je t'en prie, vas-y, on y va. Alors en tout cas, je me suis entraînée, franchement tout va bien se passer. Hein. Oui, bien sûr, on va faire de la sorcellerie, comme on fait un petit jeu, comme ça, non, tranquille, non, au calme. Hé, on est plus au Moyen-Âge, hein. C'est pas le Vatican ici, c'est pour trop bébé. C'est quoi ce bruit? Oh, bah, c'est naturel. Ouh là là, non, arriver. Ah, regarde, je crois que j'aperçois l'entrée là-bas. Ah, génial. On va rentrer là-dedans, là? Oui. Non, mais tu vas en premier, parce que c'est ton idée. Il n'y a pas de souci, hein, mais t'as demandé quoi? Tu crois qu'on va croiser un démon? Ameno, il monstrum de la grotum, la sorcière de la vengeance sum. Dorime ad forza oscura, ténébro, 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 malédiction, 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 la sorcière de la vengeance sum. Dorime ad forza oscura, ténébro, 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 malédiction, 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 la sorcière de la vengeance sum. Ameno il monstrum de la grotum, la sorcière de la vengeance sum. Dorime ad forza oscura, ténébro, ténébro, ténébro. Malédiction, malédiction, malédiction. Dorime ad forza oscura. Ténébro, ténébro, ténébro. Malédiction, malédiction, malédiction. Ameno il monstrum de la grotum. La sorcière de la vengeance sum. Dorime ad forza obscura. Ténébro, ténébro, ténébro. Malédiction, malédiction, malédiction. Ameno il monstrum de la grotum. La sorcière de la vengeance sum. Dorime ad forza obscura. Ténébro, ténébro, ténébro. Malédiction, malédiction, malédiction. Oh mon dieu, je cherche mon téléphone, je cherche mon téléphone. Je l'ai. Je vais mettre la lumière, Mais t'es qui toi? Emma. Et malédiction. Non mais vous devriez le savoir, c'est vous qui m'avez appelé. Bah c'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment pas à ça, vraiment. Bah ça se voit, parce que regardez-moi ce matos là. Ça n'a même pas déchiré une feuille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, mon copain a une nouvelle copine. Donc ton ex? Non mais c'est pas le sujet. On est là parce que moi je veux qu'elle prenne cher. Alors je vous arrête tout de suite. Avec ça là, je peux pas faire grand chose. Il me faut au minimum une monnaie d'échange. Puis je vous préviens, il n'y a pas de service après-vente. Donc s'il y a quoi que ce soit, si ça vous retombe de dessus, c'est pas moi que vous appelez. Moi je suis en vacances, j'ai des RTT à prendre. Pour ce qui est des conséquences, je vous laisse voir ça avec mes collègues des ressources humaines. Alors excusez-moi, les conséquences quoi? Les conséquences. C'est-à-dire que vous avez jamais entendu parler de la loi du triple retour? Non, c'est quoi? En sorcellerie, quand vous lancez un mauvais sort contre autrui, il va vous revenir trois fois. Bon, par exemple, si vous souhaitez que la personne loupe son bus, votre travail sera annulé. Mais bon, rien de bien méchant. Franchement, ça craint quoi. T'es sûre de toi? Ah oui, 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 ça, je suis certaine, moi je veux qu'elle paye pour mal qu'elle m'a fait. Et puis de toute façon, moi je suis là, je repars pas comme ça, je vous le dis. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut vous demander tout ce qu'on veut? Bien sûr. Allez-y, je vous écoute. Flash info, deux jeunes femmes ont été retrouvées gravement brûlées dans une grotte. Les causes de l'incendie restent à cette heure inexpliquées. Nous attendons avec impatience le résultat de l'enquête policière. Concernant les victimes, leur pronostic vital n'est plus engagé. Néanmoins, elles garderont à vie les séquelles de ce terrible drame. Bah, arrête d'écouter ça, c'est glauque. Non, c'est pas grave. Tiens, je t'ai fait un petit café. Merci. J'espère que ça marche bien. Comment ça, tu t'es brûlée?